et bienvenue sur Albert's for Kids. Atelier numéro 9. Pour cela, il vous faudra aller dans la forêt et aller chercher des feuilles d'automne qui sont tombées par terre. Et vous verrez, il y en a plein de toutes les couleurs. Alors, pour cet atelier, quand j'ai fini de ramasser les feuilles, vous les mettez bien à plat dans un journal et vous fermez le journal. Et quand vous auriez fermé le journal, pour que les feuilles soient bien à plat, vous prenez un assez gros bouquin et pendant quelques heures, vous le posez dessus. Alors, pour cet atelier, vous aurez besoin d'une colle et d'une paire de ciseaux. Et en dernier, vous aurez besoin de feuilles. Une fois que les feuilles sont bien plates, vous les disposerez sur une feuille blanche ou d'autres couleurs partout sur la feuille. Et regardez comme les feuilles de couleur, elles sont belles. Regardez ma grosse feuille que j'ai pris pour ma composition. Félix et moi, nous avons pris des feuilles de couleur et moi aussi, je vais en prendre une grosse. Pour elle est grosse, hein, elle est belle. Alors, voilà mon aigle. J'ai fait les plumes, les ailes, une plume, une aile, la figure, le bec, le corps, les jambes. Moi, j'ai oublié les pieds. Alors, c'est très facile de faire les pieds. Regardez comme il est beau, mon oiseau. Bonne chance, Alex. Merci. Maintenant, je vais tout coller grâce à la colle. Et voilà, j'ai terminé mon animal. J'ai fait une souris avec la bouche, les petits poils, les oreilles, la queue, les pattes et les yeux. Je pense qu'elle court parce qu'il y a le chat qui est en train de l'attraper. Et voilà ma petite souris. Après le collage. Regardez mon bel oiseau après collage. Et maintenant, faites comme moi et partagez vos œuvres sur @albertsforkids. Voilà, j'ai fini et partagez vos œuvres sur @albertsforkids.